salut à tous. Nouvelle intro, vous avez vu. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un petit produit geek qui m'a été envoyé par Banggood, justement, voilà. Petit gadget pas excessivement cher, je crois que c'est dans les 10 euros. Vous regarderez, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un ocarina en céramique inspiré de Zelda. Alors inspiré, parce que forcément c'est pas Zelda, c'est Zebra. Voilà. Mais sur la base, on voit le petit logo de la Triforce. Et puis c'est l'ocarina, bah, comme dans le jeu. Alors vous pouvez peut-être en jouer, honnêtement. Dans la boîte, vous avez une notice qui vous explique comment en jouer. J'ai pas pris le temps d'apprendre à jouer, moi je vais m'en servir plutôt en décoration. Voilà, parce que l'objet est sympa. Après, si vous voulez jouer, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de trous à boucher. Et j'ai pas trop regardé comment mettre les doigts. Voilà, il y a un trou en bas, un trou ici. Ouais, faut que je passe à l'apprentissage de l'ocarina. En tout cas, cet ocarina est vraiment très sympa. Et vous êtes envoyé dans une boîte bien rembourrée, donc une boîte ocarina. D'ailleurs, si vous perdez la notice, je vous explique à quoi correspondent les notes. À l'intérieur, une bonne couche de polystyrène. Donc même en venant de Chine, même dans un, on va dire, une enveloppe bulle, ça se cassera pas. Et j'ai dit, bah tiens, pourquoi pas ça. Voilà, c'est un petit truc que j'aime bien Zelda, ça coûte pas très cher. Alors vous avez plein de versions qui existent. Après voilà, les versions officielles sont toujours un peu trop chères. Donc comme d'habitude, je vous propose qu'on le regarde d'un peu plus près. A de suite les amis. Et me voilà avec l'ocarina de près, j'allais dire l'harmonica. Non, l'ocarina, je trouve plus où j'ai mis le mode d'emploi. Donc c'est pas gênant. Donc on a la boîte sympa, par contre comme d'habitude, on a l'étiquette de Banggood dessus. Voilà. Zebra 12 trous ocarina. La boîte, je vous l'ai dit, qui est bien protectrice, hein, pour une fois. Voilà, vous recevez les trucs de Chine. Vous aviez une couche de polystyrène dessus. Dedans, vous avez l'harmonica que j'ai mis à l'envers. Et normalement, une petite corde bleue que j'ai mis je ne sais pas où. Il y en a l'harmonica. Voilà, donc là, ils ont marqué Zebra, hein, forcément. Ils ne peuvent pas marquer Zelda ou Link. Vous avez la petite Triforce sur le rebord. C'est ici où vous mettez la bouche. Et ici, vous pouvez jouer en bouchant les trous. Donc, c'est en céramique, il me semble. C'est pas mal, ça fait un bel objet de décoration. Si vous voulez vous entraîner à en jouer, bah, vous pouvez. Donc, je sais pas pour où on passe la corde. Peut-être par ici, je vois qu'il y a deux trous, un trou de chaque côté. Après, je vous l'ai dit, pour en jouer... Ça me rappelle un peu la première fois que j'ai découvert une flûte en 6ème. Donc si vous êtes fan de Zelda, eh ben, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description. Voilà, vous pourrez trouver ce petit objet qui est pas cher. Alors je sais pas combien coûte le vrai de Ocarina. Si jamais il y a, je vous mettrai un screenshot. Je sais pas d'ailleurs s'il y a une vraie version quoi. Mais ça peut être sympa, pas spécialement pour en jouer, juste voilà, pour décorer. Après il faudra y faire un petit présentoir hein, pour pas le faire tomber. Et par exemple, je sais pas, vous mettez sur votre table de nuit ou près de votre bureau. Alors voilà, vous faites un petit... Ouh, je vais le faire tomber. Faites un petit support, parce que le garder juste dans la boîte, ça sera pas extra. Mais ça peut être sympa, ça peut vous donner l'occasion de vous mettre à l'ocarina. Alors si quelqu'un arrive à jouer dans l'ocarina, bah, qui m'a envoyé la vidéo, voilà, je regarderai. Moi je me suis pas entraîné, puis bon, il y a trop de trous à boucher, vous vous rendez compte, il y a combien? Il y a 5 trous ici, il y en a 5 là. Il y en a encore 2 derrière, plus 1 ici. Ça a l'air quand même un peu complexe à jouer. En tout cas, vous voyez, vous pouvez le commander, ça arrivera en entier, parce que c'est bien protégé dans la boîte. Ça coûte pas cher, hein. Je vous l'ai dit, je crois que coûtait entre 9 et 12 euros avec le port. Ah bah en plus vous voyez, j'allais vous quitter et derrière la boîte, à défaut de retrouver la notice, c'est marqué donc. Voilà, je vous explique quelle note correspond à quoi. Alors c'est assez complexe, hein. C'est plus que la flûte. Le mieux c'est de jouer cette note, donc je sais plus à quoi ça correspond. Il n'y a qu'un trou à boucher. Et ça c'est quoi? C'est les notes dièse. Fouh, je me souviens à l'école, il y avait le fa dièse. Et d'ailleurs, peut-être que comme moi à l'école, vous écriviez le nom des notes en dessous, le do, ré, mi, fa, sol, et le prof vous l'interdisait. Donc ouais, le petit truc est assez sympa, ça peut faire une idée de cadeau de Noël, c'est pas excessif, vous n'avez pas trop de moyens, surtout par les temps qui courent. Voilà, vous commandez ça, vous l'aurez sûrement avant Noël maintenant. Et en dessous, par contre, vous voyez, il y a un support en forme de main, mais ça, c'est pas fourni avec. Ça doit se vendre à part. C'est un peu dommage que ce soit pas fourni avec. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit ocarina, voilà. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.